autour de nous, des gens à l'esprit et au corps brisé ont besoin de la guérison que seul le Christ peut offrir. Lorsque vous faites votre travail, vous attendez-vous à une récompense? Probablement pas, même si c'est super de recevoir des félicitations. Et qu'en est-il lorsque vous témoignez auprès des autres? Vous attendez-vous à une récompense de la part de Dieu? Dans 2 Rois 5, l'histoire de deux types de témoins. Ceux qui parlent de Dieu aux autres sans attendre de récompense en retour et ceux qui pensent que leurs efforts, après tout, méritent bien quelque chose. Notre récit commence par le témoignage d'une enfant, une petite fille en Israël, emmenée loin de chez elle pour servir dans la maison de Naam. Son nom n'est pas mentionné. Par contre, ses paroles ont déclenché une série d'événements qui ont abouti à la conversion de ce Syrien. Naam, nous dit-on, était chef de l'armée du roi de Syrie. Dieu a fait de lui son instrument pour donner la victoire aux Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Plutôt que de chercher à se venger de ce chef qu'il avait personnellement capturé ou qui avait supervisé le raid et a conduit à sa capture, la petite servante eut compassion de son maître malade. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, verset 3. Les peuples d'Israël et de Juda avaient largement échoué dans l'objectif que Dieu avait fixé aux descendants d'Abara. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3.
au lieu de donner l'exemple de l'amour de Dieu et du prochain, ils avaient adopté les pratiques païennes des nations environnantes et opprimé et exploité leur propre peuple. Cependant, certains persistèrent dans leur foi. Ils continuèrent à témoigner auprès de leurs concitoyens israélites et lorsqu'ils furent emmenés en exil, ils apportèrent une bénédiction aux maisons et aux cours étrangers où ils servaient. Ellen White écrit « Les parents de cette jeune Israélite ignoraient quelle serait sa destinée lorsqu'il lui apprenait à aimer le Seigneur. Mais ils accomplissaient fidèlement leurs devoirs. Aussi, dans la maison du capitaine des armées syriennes, cet enfant rendit témoignage à son Dieu qu'on lui avait appris à honorer. » Prenant les paroles de la jeune fille au sérieux, Naaman se rendit à Samarie pour y chercher la guérison. Arrivé à la maison d'Élisée, il s'attendait à voir une manifestation spectaculaire de la puissance divine par l'intermédiaire du prophète. Mais au lieu de cela, Élisée lui fit dire d'aller se laver sept fois dans le Jourdain. Malgré sa colère initiale face à l'ordre d'Élisée, il obéit et fut guéri. Il revint à la maison d'Élisée en parfaite santé et en signe de gratitude, offrit des cadeaux au prophète. Celui-ci les refusa et le renvoya chez lui. Géasi, serviteur d'Élisée, s'indigna de ce que le prophète n'avait pas accepté les cadeaux du chef syrien. « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » 2 Rois 5, verset 5. Dans un élan de cupidité, Géasi se dit que si Élisée ne prenait pas son dû, eh bien, il accepterait, lui, une récompense. Naaman avait reçu un premier témoignage d'une jeune Israélite, un vrai témoignage fondé sur la foi en Dieu et l'empathie pour un malade. Il recevait maintenant un second témoignage, un faux témoignage de la part de Géasi, lequel n'hésita pas à mentir pour s'enrichir. Géasi dit à Naaman qu'Élisée l'avait envoyé lui dire qu'il acceptait finalement les cadeaux. Un talent d'argent et deux vêtements de rechange pour en faire don à deux fils de prophète en visite chez lui. Tout heureux de manifester sa gratitude envers Élisée, il exhorta Géasi à prendre le double de la somme d'argent demandée. Lorsque Géasi revint, Élisée l'interrogea et, une fois de plus, son serviteur mentit. Mais Élisée ne savait que trop bien ce qui se passait. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas le moment d'accepter des cadeaux. Ce miracle n'était pas l'œuvre d'Élisée, mais celle de Dieu. Accepter un cadeau envoyait donc un faux message sur Dieu qui, dans sa miséricorde, avait guéri Naaman. Géasi dut porter les conséquences de son péché. Il devint lépreux. Qu'est-il advenu de la petite servante israélite? La Bible ne le dit pas, mais ses paroles de sympathie, de vérité,
ont apporté la guérison et la foi à la maison de Naaman. Gehazi, lui, souhaitait obtenir un gain matériel, comme s'il était en quelque sorte responsable du miracle accompli par Dieu. Son faux témoignage a attiré sur lui la maladie même dont Naaman avait été guéri. Autour de nous, des gens à l'esprit et au corps brisé ont besoin de la guérison que seul le Christ peut offrir. Notre témoignage peut amener quelqu'un à choisir de suivre Jésus. Nos prières peuvent être exaucées par des miracles, mais rappelons-nous toujours que notre récompense pour avoir témoigné de la miséricorde et de l'amour de Dieu se trouve au ciel. La gloire et l'honneur ne reviennent qu'à Dieu seul. Amen. Prions. Seigneur, alors que nous parlons de témoins, permets-nous d'être de véritables témoins. De véritables témoins comme cette petite fille qui a su témoigner de ta grandeur, de ta bonté et de ta fidélité. Qu'il en soit pour nous tous. Amen.